Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui coloriage, mais c'est un petit tuto que j'ai fait avec les feutres Twin Marker d'Action, les nouveaux que je vous avais présentés. Donc c'est une méthode de coloriage que je ne vous avais pas encore fait et qui est à la portée de tout le monde, même des enfants. C'est le pointillisme. Voilà, oh le mot, c'est pas un mot savant, hein. C'est juste la technique de faire des petits points. Voilà, on fait des petits points. Donc ça s'appelle le pointillisme. Et donc c'est une façon de colorier que l'on fait avec des feutres principalement. On peut le faire aussi à la peinture, mais bon, c'est plus un petit peu plus hard à la peinture. Donc, au crayon de couleur, non. Mais bon, avec les feutres, ça va très bien. Ça y est, je commence déjà à faire tomber des trucs, mais bon, j'ai toujours pas rangé hein, mon atelier. Pas le courage. Donc là, c'est pour ça que j'ai essayé. J'ai essayé. J'ai fait le tuto avec ces nouveaux feutres. Puisque là, la pointe s'y prêtait bien, puisqu'il y a la pointe dot qui est faite exprès pour faire les points. Donc, pour faire du pointillisme. Mais vous pouvez le faire avec n'importe quel feutre. Hein. Bon, pas le feutre à pinceau, bien sûr, comme là, je crois que c'est cela. Alors, attendez que je le sorte. Que je regarde, je crois que cela. Non, cela, c'est plus compliqué. Ah si, cela, si, peut-être. Mais est-ce que j'ai une feuille avec moi? Est-ce que j'ai une petite feuille? Oui, on peut. Alors, je vais vous. Je vais prendre un plus foncé, ce sera mieux pour vous montrer. Alors, voilà. Allez, ça veut pas venir, hein. Je veux pas. Voilà, ça y est, voilà. Alors, ah si, ceux-là ils vont bien aussi. Alors, je vous montre. Attendez, je vous fais une petite ligne. Hein. Ce pas beaucoup plus long à faire qu'un coloriage normal. Enfin, bon, si. C'est un tout petit peu plus long, mais. Voilà, bon. Ah, ben, si, avec cela, ça va très bien quand même. Ah, ben oui. Donc, j'étais mauvaise langue. Voilà. Donc, voilà ce que c'est le pointillisme. Vous faites des petits points, comme ça. C'est plus serré. Alors, très serré, on peut faire très serré, hein, on peut faire dans tous les sens. Hop, je vous montre. Voilà, comme ça. Hein? Et ensuite, on peut faire moins serré. Par exemple, pour... voilà, vous voyez, là sur le côté, après, j'ai fait moins serré. Pour dire d'éclaircir son coloriage. Voilà. Ben donc, ceux-là, ils vont très bien. Ceux-là, c'est les brush pen. C'est l'année dernière, ceux-là. C'est les anciens. Donc, voilà. Donc, ça va très bien. Donc, vous coloriez en faisant des petits points. Donc, moi, c'est une technique que je connais depuis, mon Dieu, très, très longtemps. Je faisais déjà ça quand j'étais enfant. Donc, ça fait déjà bon, j'ai 57 ans donc ça va faire 50 ans que je connais cette technique. Bon, je le fais, je l'ai pas fait depuis X temps, mais bon, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire. Bon, j'avais appris ça à l'époque, j'avais appris ça à l'école, hein, on nous l'apprenait à l'école, mais donc voilà. C'est ça le pointillisme. Alors, vous pouvez le faire en couleur, comme là vous allez voir la vidéo.
Vous pouvez le faire en noir et blanc, c'est-à-dire en noir, que les feutres, qu'avec un feutre noir, voilà, qu'avec un feutre. Si vous êtes sur une feuille noire, par exemple, vous pouvez le faire qu'avec un feutre blanc, si j'arrive à le dire, par exemple un stylo gel blanc. Voilà, de toutes sortes, hein, il n'y a pas de souci. Et après, vous déclinez vos points du plus serré au moins serré pour dire d'éclaircir votre dessin et votre coloriage. Ou tout au moins, si vous serrez, ça va faire un colo plus foncé. Voilà. Et si vous mettez vos points plus espacé, ça vous fera un colo plus clair. Voilà. J'espère avoir bien m'être fait comprendre. Mais bon, c'est comme d'habitude. Si vous avez des questions, ça se passe en dessous de la vidéo, en commentaire, vous me posez des questions. Je vous en referai avec les techniques du feutre juste noir ou sur une feuille noire avec du blanc. Voilà, de temps en temps, je vous ferai ça pour vous montrer. Voilà. J'ai d'autres techniques de coloriage également à vous montrer pour faire par exemple des fonds. Je ne vous dis pas maintenant. Non, j'ai pas envie. Mais je vous montrerai ça également. Voilà, un petit peu à la fois, je vous montrerai différentes techniques. Voilà. Donc aujourd'hui, the bye. Aujourd'hui, je vous montre ça, la technique du pointillisme. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Et bon, là, j'ai pris dans mon livre Simplement Zen, je crois que ça s'appelle. Vous savez, c'est le livre de coloriage que je prends justement, que je prends pour faire mes essais, pour faire des brouillons de coloriage, voilà, pour essayer des crayons, pour essayer une technique, voilà. Donc, ce bouquin-là ne me sert qu'à ça. Donc, c'est des dessins très simples. Donc, bon, là, ne faites pas vraiment attention au dessin par lui-même parce que c'est des choses vraiment très simples, mais c'est pour vous montrer la technique. Voilà. Et le dessin, je ne l'ai pas fait en entier. C'est pour vous montrer tout au moins la technique. Et puis, pour pas que la vidéo dure des heures. Voilà. J'ai essayé de ne pas vous la mettre en grande vitesse pour que vous voyez bien. Comme ça, ben, vous pouvez bien suivre. Parce que bon, je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit que le coloriage, quand je passe en vitesse rapide, c'est un peu embêtant. Je le comprends. Donc, je vais essayer le plus possible de vous passer les vidéos de coloriage en vitesse normale. Voilà, parce que bon, je comprends très bien que là, en coloriage, vous avez plus besoin de voir les détails, comment je fais et tout. Je vais essayer de vous passer les vidéos en vitesse normale, le plus possible. Voilà. Bon, ben, je vais vous laisser visionner la vidéo. Je remercie en même temps tous ceux qui m'ont laissé un message sur la précédente vidéo pour moi et puis pour mon chouchou, pour mon mari. C'est très gentil à vous. Là, j'ai pas encore répondu à tout le monde, mais bon, peut-être que là, quand vous verrez la vidéo, j'aurai déjà répondu à tout le monde, mais bon. Vous savez que je réponds toujours. Mais je vous remercie beaucoup pour vos messages. Ça me fait énormément plaisir, ça me touche. Je vous fais à tous de gros bisous. Voilà. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. Bisous, bisous, à bientôt!